Nous, on est les héros du zéro. Et avec les Ateltecs, votre ville est un pec. Les rois de la propreté visent le zéro déchet. Oh, Toussaint. Oh. Il est jamais là quand il faut, Toussaint. Bah, il dit que faut changer de comportement. Faut changer de comportement, faut devenir un héros du zéro. Elle l'a. Alors, on y va. Un tampon. Ensuite. J'utilise un cabas. Oui. Et où qu'il est, bah, il est là. Réutilisable. Je donne ce dont je me sers plus. Habits, elle a dit oui que... Monsieur, madame, est-ce que vous utilisez un stop pub? Est-ce que vous avez un stop pub sur votre boîte aux lettres? Tenez-moi ça, madame. Parce que moi, je tamponne pendant ce temps-là. Vous êtes prêts? On y va? On continue. Est-ce que j'ai un sac cabas ou... Bah, évidemment, ils en ont un. Alors, deux. Presque des héros. Oh, bah, l'histoire des remplacements des papiers à nu et des films étirables. Voilà. Bon, moins de poubelles, moins de ramassage, moins de déchets. J'achète d'occasion. Mes habits. Non, Emmaüs. Vous allez Emmaüs de temps en temps. Vous allez à Emmaüs. Vous allez être Ruskem. Ah, la ressourcerie, ils connaissent pas la ressourcerie. Ah bah alors, ils connaissent, c'est bon. J'achète du vrac. Un peu. Bon, bah, et carton plein. Vous êtes des héros. Ah ouais, ouais. Vous êtes des héros. Vous avez un petit cadeau. Voilà, vous présentez l'entrée de la dame, la Juju, elle va vous donner un cadeau. Ok, d'accord. Bah, vous allez voir ça, j'espère. Formidable, bravo, on les applaudit, c'est des héros. Carton plein.